utilise la sève. L'homme utilise le fruit. L'homme utilise les graines. C'est pour cela que j'ai choisi cette année-ci que nous plantions le papayer. Ils ont été sensibilisés et conscientisés dans la protection et le planting d'un arbre. Ces élèves du complexe scolaire La Royauté ont célébré cette journée nationale de l'arbre par l'assainissement de leur établissement avant de recevoir chacun un papayer qu'ils vont planter et prendre soin chez eux. Je tiens le papayer. Tout ce que je compte faire, c'est que je vais aller planter ça dans un endroit là où il y a l'ombre. C'est la journée de l'arbre. Je veux le planter chez moi et prendre soin de cet arbre jusqu'à ce qu'il va produire des fruits. L'arbre nous permet de respirer, de nous faire de l'ombre, de nous donner aussi les fruits pour manger, pour nous soigner et pour fabriquer plusieurs sortes de matériel. Un devoir accompli pour les enseignants. Nous avions la responsabilité, tout azimut, de montrer à nos enfants de notre école que les arbres produisent ou bien fournissent des bienfaits, tout d'abord à notre environnement, et nous devons les éduquer à entretenir ces arbres afin que demain, que nous puissions récolter les fruits de ces arbres. L'environnement est la chose la plus commune que nous avons tous et que nous devons le protéger, l'entretenir. Rappelons que cette journée nationale de l'arbre a été instituée en 1986.